In their tongue, he's Dovahkiin. Dragon Ball! Come get some! Salut, 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 c'est Come Get Some et bienvenue sur Sleeping Dogs Definitive Edition, épisode 5 et dernier épisode du DLC L'année du serpent de Year of the Snake. On est de retour avec Wei Shen qui veut en finir avec les terroristes, hein, ces saletés de terroristes. Théoriquement, il nous reste cette mission-là plus la mission finale. C'est donc probablement un épisode très court que vous allez voir. J'espère qu'il durera au minimum 10 minutes, ce serait bien quand même. En tout cas, on va foncer de suite sur l'avant-dernière mission qui nous reste. On a fait tout le contenu secondaire, hein, vous l'avez vu, on a même obtenu un défi pour ça. On a récupéré tous les sacs de preuves. Bref, on est au taquet pour terminer ce DLC avant d'attaquer, eh bien, très très vite, très bientôt, la semaine prochaine, le second DLC. Cauchemar à North Point. Rien que le nom déjà, ça doit vous donner quelques indications. Bref, je vous tease un petit peu, je ne vous spoile pas. On va se jeter tête la première dans cette mission là. They've got nerve gas in a van. Stop them. There it is. That van. Careful though. They got nerve gas in the back. D'accord, ok. Poursuite. Ah mais c'est pas moi qui conduis d'ailleurs. D'accord, ok. Here they come. Over there. Over there. Ce n'est pas moi qui conduis, ok. Don't hit the van. Voilà. Allez, God, dégage. You bastard. C'est pas facile avec le fusil à pompe, hein. C'est beaucoup moins facile que d'avoir le... Parce que déjà on peut pas viser les roues là. Apprends à conduire. Apprends à conduire. Bon. Allez. Tu dégages. Bah. Ah, j'aime bien moi quand on fait ce genre de mission. Alors lui, il a défié les lois de la physique. Allez, ça dégage. Tout efficace, hein. Ça aussi, ça dégage. Je conduis pas très vite par contre, mon pote, hein. Si évident que ça à viser. Oh, quand même. Oh là là, et voilà, et merde. Bon bah, on s'est fait exploser la gueule. C'est pas la meilleure arme, hein. On va pas se le cacher. Here they come. Over there. Over there. Ah, ça c'est dégage. Don't hit the bag. Ça dégage. Ça dégage. Got you, you bastard. On va recharger pendant qu'on a le temps. Take that, you punks. On a la cul. Si vous restez derrière, moi ça me va. Hein. Watch out. Ah, c'est dès qu'ils vont se mettre devant que ça va être chiant. Mais merde. Come get some. Il a dit come get some. Il a dit come get some. Rien que pour ça, je le laisse. Il a dit come get some. Eh oui, allez, venez. Viens prendre ta raclée là. Over there. Over there. Je sens que ça va être plus compliqué que prévu. Don't hit the bed. Pour l'instant, c'est du one shot. God, you bastard! Ah, c'est dégage. Take that, you punks! That door scares the hell out of me! Watch out! Come get
Get Some. Ah, comme Get Some encore. Eh oui, c'est moi. Voilà. Careful of the van. Oh, j'en ai fait deux. Hein. Magnifique. Hein. Ça aussi, ça dégage. Oh là là. Recharger pendant qu'on peut. Tiens, un verre. Ça change un peu. Quoi? Attends. J'ai pas compris là. Il faut que je fasse quoi là? Here they come! Over there! Over there! Don't hit the van! Ah, mais ça, j'ai bien compris. Got you, you bastard! Ça, j'ai bien compris qu'il fallait pas percuter, mais Take that, you punks! Précis quand même pour un fusil à pompe, hein. That nerve gas scared the hell out of me. Watch out! Come get some! Come get some! Ok, c'est bien, mais quoi, moi? Careful of the van. Ah, j'ai bien compris ça. Il y a des trucs que je comprends pas. Là, je peux pas le rattraper là. Quoi? Machin, il s'en allait, hein, je sais pas ce qu'on fait, hein. Accélère, mon gars, le machin. Oh, il nous a mis la pile. J'ai du mal à comprendre. Juste dépêche-toi. Il vient de remonter. Ok. Première phase, c'est fait. Hey, is that the master in there? That's their leader. Shit, we let him get away. I'll take care of the van. You probably need it somewhere else. D'accord, ça marche. Ouais, it's me. 4x4 de la police disponible dans votre garage. Gaz neurotoxique terminé. Très bien. Très bien. Bon, théoriquement, je pense que c'est la dernière mission qui nous attend. Le nouvel an. Alors, elle est là. Putain, c'est loin. C'est loin. On va prendre l'autoroute. C'est parfait. On a une voiture qui va vite. Donc, on va y aller de suite. Voilà la dernière mission qui nous attend. À l'autre bout de la ville. C'est pas un problème. Ça va combler un petit peu le temps de la mission. Parce qu'on a que deux missions. Hein. Souvenez-vous, je vous ai bien dit qu'il n'y aurait que deux missions. La première a été plus compliquée que prévu. Je vous laisserai tous les essais. Ah, ça va faire de la... ça va faire du contenu, comme on dit. Tout à fait. Oui, monsieur. Oui, madame. Ça fait du contenu. Évidemment. Bref. On va aller à l'autre bout de la map. Et on va aller se choper. On va mettre la sirène, tiens. Hein, on va faire que les gens se mettent un peu sur le côté, là. Hein. Il y a un défi, en plus, à réaliser là-dessus. Alors... je ne ferai pas les défis or qu'il faut faire pour faire vraiment le jeu à 100%, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Et clairement c'est pas l'idée, de toute façon il n'y a pas un pourcentage de jeu, c'est juste qu'il faut gazer un certain nombre de personnes, il faut arrêter un certain nombre de personnes, enfin des trucs un peu relous, mais là c'est vraiment pour platiner le jeu
sur Steam, et encore, il faudrait que je le platine sur le jeu principal, sur le jeu normal. Bref, je vais pas m'embêter avec ça, j'ai autre chose à faire dans la vie que de platiner Sleeping Dogs, sans sachant que de base, on l'a quand même fait à 100%. Ce qui n'est pas rien quand même. Sleeping Dogs, ça reste quand même un GTA-like en monde ouvert, avec des quêtes principales, des quêtes secondaires, et plein de merdouilles à collectionner et à ramasser. Donc voilà, c'est pas rien. Là, c'est vraiment que du bonus. Le but, c'est de vous proposer une expérience, et bien une autre expérience sur le jeu. Et après tout, bah, c'est des missions en plus, un bout d'histoire en plus, et ça fait plaisir. D'ailleurs, j'en profite, si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de ce DLC, savoir si pour vous il vaut le coup, hein, il vaut le coup d'être joué. Alors moi, il était avec la version que j'ai achetée, donc dans la définitive édition, pas de problème, c'était dedans. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre votre petit like évidemment si ça vous a plu. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et activez de suite la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes, et notamment du prochain DLC, qui aura lieu tout au courant du mois d'août. Donc voilà, j'espère que tout ça vous plaira. Merci à tous les nouveaux abonnés et à ceux qui sont déjà là depuis un petit moment, qui lâchent les petits coms. Voilà, allez, c'est parti, dernière mission du jeu, let's go. The master is on Lotting Island. Take him out. Abattez-le. Bon bah comme ça. Comme ça, c'est réglé. Abattez-le. Voilà, c'est même pas faut l'arrêter, faut l'abattre. Hein. Ici, la justice, on connaît pas. On ne connaît pas, en même temps. Pour arrêter des mecs qui balancent des pétards. Yes, sir, I was aware. Les foutre en tôle. Franchement, très sincèrement, ça m'étonne pas. No, sir, we don't know that yet. C'est même pas arrêtez-le, hein. Ils se sont même pas fait chier, hein. C'est abattez-le. Il y a rien à en faire, la justice pourra rien à en faire. Bah écoutez, c'est expéditif. On en pense ce qu'on en veut, mais au moins c'est efficace. Hein. Normalement, c'est efficace. Ouais. Le final va donc se passer à Aberdeen. J'ai eu l'impression, hein, puisqu'on va en direction des quais d'Aberdeen. Ah, téléphone. Merde. Ah bah pourtant moi je pensais que c'était terroriste les mecs. Hein. Il est même pas tombé le gars. Oh solide mec hein. Vraiment solide le man. Hein. Allez. On a un gros quart d'heure pour terminer ce jeu. Enfin ce DLC. J'espère que ça va prendre peut-être un peu moins de temps histoire de vous proposer une vidéo local. Et... j'ai quand même bien fait de faire la dernière mission, finalement ça va peut-être bien se combiner là. Je pense qu'on peut être pas mal. On peut être pas mal niveau timing. Voilà. Maintenant on va prendre le bateau. Ah génial. Protéger le bateau de la police. La police, on protège. Ok. C'est bon. J'ai la chance de toucher, hein, franchement. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Les mecs, ils sont vachement loin. Qu'est-ce que vous dites que je le touche, moi? Ah, j'ai pas vu ça. Ça, j'ai pas vu. Faut s'écarter là. Voilà. Faut s'écarter un peu, hein. Il fallait s'écarter un peu. Putain, ils sont nombreux ces enfoirés hein. Ah et ça dégage. Oh là là, le bateau qui continue. Sous lance hein.
Voilà, ça, ça dégage aussi. Oh, ça c'est rigolo, c'est plutôt rigolo, on va dire. C'est plutôt rigolo de buter des bateaux comme ça, là. Ah, vas-y, ça a explosé à côté de moi, à chaque fois. Le mec, il avance pas, il s'en bat les couilles. Oh, avance-toi, là. Sans déconner. Ce truc, c'est n'importe quoi. Vas-y, ramène ta fraise. Putain, va loin, hein. Va grave loin, hein. Allez, toi, tu dégages. Putain, avance! Il va m'exploser sur la gueule, là! Ouais, c'est... c'est hallucinant, il y a combien de bateaux, là? Oh, on va donner des épaves, hein, pour les plongeurs, là. Il y a de quoi faire, hein, pour les poiscailles, hein. Qui a dit qu'on se préoccupait pas de... Putain, il va m'exploser à la gueule, encore. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fous, là? C'est interminable ce truc, hein. C'est surtout que ça pop. Arriver un jour. Ah bah tenez, on arrive sur la barge, la dernière barge. Bah c'est là où on aurait pu trouver le sac de preuves. Bon, on n'aura pas attendu, c'est pas grave. Moi je préférais vous proposer ça sur un épisode en entier. Maintenant on va se finir le mec. Son of a bitch. Bouge-toi. Ça dégage, hein. Voilà. Ça fait le taf. Putain, encore. Oh, j'ai pas tiré assez vite. Voilà, ça aussi, ça fait le taf. Très résistant, hein, par rapport à d'habitude, hein. Oh, vas-y, je lui mets la tête là. Il m'en reste un. Il est où, ce con? Trouvez le maître de la secte. Alors laisse-moi reprendre un peu de mine. Voilà. You have failed, Wei Shen. Oh, really? It's the new year. The prophecy will be fulfilled. Vas-y, pète-lui la gueule! The end of the world. You're busted. It's over. Quoi, c'est tout? Quoi, c'est tout? Crazy bat. Quoi? C'est tout? Quelle arnaque! Je pensais qu'on allait se battre, un combat épique, moi! Look at that. It's just about midnight. Then our time here is done. Let's get him booked. No, let's wait a second. 3, 2, 1. You're under arrest, asshole.
Happy New Year. Et voilà, c'est la fin. Maître de la secte. Ah ouais, on a gagné aussi la lance lacrymogène. Tu as une utilité spéciale, tu as une flic de quartier. Et bien voilà les amis, on a terminé ce DLC. Plus rien n'est disponible sur la carte. Tout est terminé. J'espère que ce DLC vous a plu. J'aurais pensé quand même qu'il y aurait des crédits, des trucs comme ça, mais non, visiblement non. Ça s'arrête comme ça, même pas de... Voilà, c'est juste la mission s'arrête. Écoutez, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On se retrouvera très vite pour le prochain DLC la semaine prochaine. Et croyez-moi, je pense que ça va vous plaire. Je n'y ai pas encore touché, je n'ai même pas encore vu à quoi ça ressemblait. Mais rien qu'au nom, rien qu'au synopsis du truc, je pense que ça va vous plaire. Je ne vous en dirai pas plus. On se retrouve très vite les amis. À très très vite donc. Et à ciao, bye.